Salut Patrick, ça pue la trique? Oh putain. Il lance des sorts avec son cul. Les Tropolisters, c'est bien notre mède ça. Dans l'avantage du nombre, on ferait mieux de retourner à Rib. Crétin! Et l'honneur des Galgastans dans tout ça? Honneur ou pas, nous sommes clairement surclassés. Devons rejoindre le gros de l'armée. Donc. Bien lui. Depuis qu'on a perdu Almorica, il faisait que chialer. Y a pas de place des lâches comme lui dans mon rang. Bon, des lâches comme lui dans mon rang. Venez un peu vous battre, je vais vous faire goûter à la férocité des Galgastans. D'accord. Ok, Bretzen. Donc. Ah, on est un peu encerclé là. Alors. Je vois comment son état de loyauté du coup. Bien que par particulièrement mécontente, cette unité ne fait rien pour apaiser celles qui le sont. D'accord. Donc par exemple, Brenzen. Les pensées des unités sont impénétrables, donc lui on peut pas le convertir. Des avis généralement positifs vis-à-vis des décisions de son meneur. Donc lui, tu peux pas difficilement le convertir. Elle, tu peux la convertir. Elle, non. Regarde un peu comment ça fonctionne. Ça, non. Ah, et ouais, on pourrait le recruter. Yure, je sais pas comment ça se prononce son nom. Donc juste pour ça, on va pas le recruter. La méditation qui prend direct. Allez, on entame les hostilités. On lui met un 102. Hein. On ira faire le magicien derrière après. Hop là. De toute façon, j'y vais pas, y a pas d'alcool. Ah d'accord, ça se régène en mana. Par contre, il y a beaucoup de régènes de PM là qui pop, qui proc. Faut que j'en récupère. Oh, il a une arbalète. Alors bébou. Ah, j'ai pas récupéré de mana pour lui. C'est chiant. De toute façon, je n'y vais pas, il n'y a pas d'alcool. On lui met 58. Et avec une foudre flèche, on lui mettrait 42. Je connais un qui est énervé. Vous pouvez désormais utiliser IA. Ah. Ah. Soldat Galgastan, rendez-vous immédiatement et vous aurez la vie sauve. J'allais justement vous dire la même chose, gamin. Une bataille, ça ne gagne pas forcément par le nombre. Pourquoi vous sacrifiez ainsi? Qu'avez-vous à y gagner? Y'a aucune raison d'avoir peur de la mort. On va tous crever un jour ou l'autre. Un bon prudent comme toi ferait bien de se laisser porter par le courant de temps en temps. Ah, c'est du truc que je suis pas prêt à faire face à la mort? Je ne suis pas aussi naïf que ça. J'ai vraiment horreur de causer avec des mioches. Bien sûr. Alors, est-ce que je peux...
prendre le contrôle de... Bah non. D'accord, en fait, c'est pour faire jouer ton perso par une IA. C'est pas pour prendre le contrôle. Chiant. Dommage. Pas le temps, allez. Voltaire, on l'avance, hein. C'est trois comme ça, hein. Pourquoi c'est avec qui parle japonais? Tu fais toujours des jeux chelous. Tu sais, si tu les regardes tous, ils ont pas... Ils sont pas habillés très japonaisement, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que je trouvais les voix japonaises meilleures que les voix anglaises et que t'avais le choix entre voix anglaise et voix japonaise. D'ailleurs, le jeu est traduit en le texte est traduit en FR. Chose que pour la PSP, on n'avait pas eu. Le jeu sur PSP n'avait pas été traduit en FR. Aïe. J'attaque à travers mon pote, t'inquiète, c'est normal. Ah, je récupère une régène de PM là. Tornade! Allez, ça dégage. On l'a balayé. Ah oui, vas-y, gaspille tes herbes médicinales comme ça, on n'a pas assez de soignants dans la team, putain. Il est con mon bonhomme des fois. Ah, pourquoi j'aime pas jouer avec l'IA? Bah, j'en first, hein. On le déglingue. Fait. Faire ça, merci. Ça sert à rien sur Canopus, mais je voulais pas le laisser là. 108 ou 164. Là. On dirait Basic Fit Simulator. Bien qu'ils courent tous sur place, sympathique de les voir faire, mais putain. Partons. Bonk. Je lui fais 39 ou 67. 67, hein. C'est vrai que l'animation des persos, mais en fait, c'est super important. En fait, l'animation des personnages, c'est important parce que quand, par exemple, il est paralysé, ton personnage ne bouge plus. Comme ça, tu sais direct qu'il est paralysé. Dans la gueule. Hop là, petite attaque en tenaille. Non, faut que je prenne avec mon mage ça. On va commencer à avancer avec avec le prêtre. Lance vulcanienne. LOL. Oh putain, il m'a mis un critique, c'est enfoiré. Géant qui vit au cœur des montagnes, transperce mon ennemi de ta lance de colère. LOL. J'avais oublié ce petit bruit quand tu ratais. Louloum. Louloum.
Ouf, ça! Échec. Non mais le pire, c'est que normalement, quand t'as le... Quand t'as l'incantation qui... Comment dire? Quand le mage te fait une incantation sur son spell, c'est que normalement, son sort est plus puissant. Si je me souviens bien. D'ailleurs, tu as normalement une perque pour que ton mage fasse toujours des incantations quand il utilise ses spells. Là. Normalement. Merde. Tornade là. Ils avancent petit à petit, mais on va tous les déglinguer. LOL. Est-ce qu'on prépare un petit soin là? Je suis trop loin pour un soin. On va soigner soi-même alors. Hop là. Alors, 122, 136. Oh ta tronche. Voilà. Riposte à l'arbalète. Let's go. Dégage. Ah, on va se mettre bien en code de maille. C'est pour ça que je veux tous les tuer. Asmin, au secours! La récupération de PM sur lui, ça va être pas mal, je pense. Et même s'il a un sort de soin qui est un peu minable, ça fait quand même le taf. Voltari est un chevalier, hein, c'est pour ça qu'il a des sorts du divin. Clercheur qui prend ça, ouais. On avait Jasmine et Jessamine. Je crois que le générateur de nom aléatoire, il est un peu planté là. Méditation. Marcha. Voilà, paralysie. Oh putain, même pas, il continue encore de bouger quand il est paralysé. Merde. C'est ça qu'il bougerait plus. Allez, la déglingue. Faut que tu récupères le loot, donc fais pas chier. Pas ça. Voilà. C'est ça, faire du cardio, rien ne t'arrête. Le mec, il peut plus avancer d'une case, mais t'inquiète. Je peux pas l'avoir. Je le mets là peut-être. C'est la combinaison du grand arc. Grand arc, t'as une portée au cac qui est un peu pourrie. Bon, c'est un peu normal. Ah.
Il a riposte sur un archer. Bon, c'est trop bien, je récupère des jambières de cuir, des trucs comme ça. Oh, Dieu, fais tomber une pluie corrosive sur ceux qui ont osé souiller la terre avec du sang. Pluie d'acide. Ah, yes, raté. Aïe, aïe, aïe. C'est là, c'est une bataille facile, hein, comparée à celle d'avant. Genre, vraiment. Putain, soit à 114. Vache. T'es pas prêt. Dommage que j'ai pas encore des attaques de zone. Hein. Je me ferais tellement plaisir. Foudre flèche! Pauvre aberrant sur cette terre, deviens une flèche foudroyante et retourne dans le giron maternel! En gros, retourne chez ta mère, petit con! Merde, il attaque déjà le boss. Ah. Ah, il a guéri de la paralysie. Shit. Ouais, bon, j'ai un mage en première ligne, et alors? On peut les pousser dans l'eau? Ou pas? Je crois que dans celui-là, tu peux pas aller dans l'eau, donc... Non, oh, bah je l'ai one-shot. Oups! Pas voulu. On va aller chercher la magotte, la prêtresse là. Ouais, je sais, l'attaque magique, ça sert à rien sur Canopus, mais ça fait plaisir. En vrai... Hop, toi, tu dé... Il est pas mort ? Non, mais tu te moques ! Ah, il bouge plus. Non, il se fait soigner, vraiment. J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Je sais pas si sur Donalto, je mettrais pas le... l'attaque de lumière en... Enfin, la spirit bomb, là. Enfin, la spirit bomb. Je pense que je devrais le faire. Il a 58 PV. Bah, je lui mets 58. Avec la foudre flèche, je lui mets 43. Je lance ça. Riposte! Tout au calme, yo Shoma. Tout au calme. Qu'est-ce qu'il raconte, Shoma? Donaldo. Toujours avec son arbalète, lui. Hein. Ça va, Shoma? Ton Robert Descartes, il a absolument rien fait depuis tout à l'heure. Aïe.
Ouais, toi, ouais, je me remets un peu. Je me remets. Bon, demain, je vais sortir et je vais retomber malade. Allez, toi, tu dégages. Toi, tu sors aussi, parce que j'ai besoin de sortir. Pour la santé mentale, j'ai besoin de sortir. Allez, on récupère le loot. Combien de game over pour le moment? Zéro! Pourquoi j'aurais des game over moi? Ah là là là. Pas besoin de soigner. Il reste le guerrier et le berserker là. On va les déglinguer. Avoir des game over, c'est mal le connaître. Et pourtant, j'ai fait le... Comment ça s'appelle? Tu sais que j'ai fait le fight avec le décrement, là. Et le fight avec le décrement, au début, il est pas simple. Hein. Le site d'un grand média, le jeu me casse trop le cul. Quoi? C'est qui a dit ça? Qui a dit ça que je rigole un peu, là? À peine que je fasse ça, je vais le soigner. Ah mais voilà, s'il y a des gens qui sont nuls, il y a des gens qui sont nuls, hein. À propos des jeux simples comme Overwatch 2, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que ça me saoulait, j'ai jamais dit que ça me cassait le cul. Oh, des pierres de résurrection! J'ai bien fait de taper tout le monde. Prends les couilles avec mon bâton. Aïe. Il m'a beaucoup de dommages dans la tronche. Allez, il est one. Lui, il va me saouler. Ah, tu peux balancer les gens dans l'eau. Voilà, je suis pas fou. Mais je crois que dans l'eau, tu peux pas attaquer. Je me souviens bien. Ça va être comme ça. Il se noie pas, c'est nul. Bah ça va, c'est un ruisseau. On va me noyer dans un ruisseau quand même. Allez, c'est parfait. Il est sur mental. Ah si, tu peux quand même taper. D'accord. En fait, il y a aucun inconvénient à être dans l'eau, en fait. C'est bon, il va mourir. Hein. Parce que là, je vois pas comment il s'en sort, le pauvre. Merde. Continue les trois, hein. Ça fait monter les percs. Attendez-moi, je vais lui casser la bouche.
Ah déjà bon, Canopus. Et ça. Ah il reste quasiment plus rien. La VFF Tactics, bien sûr. J'ai tout fait, moi. Justement, Tactics Ogre, c'était avant FF Tactics. Normalement. Là, je mets que 48 en crit. Quelle tête de mule! Tu vas crever, ouais! Mes parents t'ont pas pris la politesse, morveux. Vous autres Wallister est si vulgaire que tout le monde vous hait. Il était bien, ça dépend lesquels. Tout le monde nous hait, c'est plutôt vous autres qui êtes détestés. Ça suffit, Vice, garde ton sang-froid. La haine n'a pas sa place dans notre combat. Nous cherchons uniquement à rétablir la paix. Foutaise, on avait la paix, Almorica, et c'est vous qui êtes venu nous attaquer. Battle 6 des... Quel enfer. Pour moi, Tactics, les FF Tactics, t'en as 3. T'as War of Lion, Advance et Advance 2. War of Lion, je le trouve pas ouf. Vraiment, c'est un jeu où j'ai passé mon temps à balancer des cailloux dans les premières heures. Par contre, Tactics Advance 1 et 2, ils sont vraiment très bons. Si seulement... Vous aviez pas résisté, je serais pas mort. Bonne soirée, Arène. Des bisous. Encore merci pour ton sub, Arène. Ah putain, j'ai pas fait attention aux objectifs secondaires. C'est pas grave, j'ai vu. Donalto et Katua qui ont eu les PM+. Canopus qui a un PV+. Victor, par contre, il a gagné les trucs. Hein. T'as vu l'alerte sub? Non, mais c'était pas... C'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure. C'était il y a 3 heures qu'il a resub à Rennes. Par contre, il n'y a pas une touche pour automatiser l'équipement à chaque fois? Ça, c'est pas ouf. Donc toi t'es bon, toi 16 en cuir, robe de bronze, armure de cuir, je vais prendre une côte de maille, et un manchon. Ok. La robe j'ai pas mieux. Attends, le lit je m'en sers pas. Non non, le lit je m'en sers pas, faut pas que je la booste. Hein. Ça c'est bon. Canopus, bah hop, code de maille. Ok. Compétence. Pas de nouveau. Pas de nouveau. Toi t'as eu PM+. Est-ce qu'on virait pas bâton? Ah, ça booste les sorts offensifs. Ou alors je vire le résiste charme. Je mets le PM augmenté. Non, par contre, t'as eu quoi? T'as eu Berserk? Permet d'infliger des dégâts aux unités sur les 5 cases situées devant, sur les côtés en diagonale à l'avant. Quoi? Et c'est une compétence auto? Allez, vas-y, je te mets ça direct en fait. Là, ça n'a pas changé. Méditation, focalisation mentale. Qui a eu quoi d'autre? Lui, il a eu un PM+. Mais du coup, si je lui mets le PM+, j'enlève la persuasion. Ça me paraît worse.
Léonard. Bah, mes phalanges, en fait. Léonard, il a du soin. On savait. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Faudra que j'achète d'autres compétences de healing. Je pense à un moment donné. On va voir ce qu'ils ont. Ah, c'est rituel. Un souffle lumière, je crois qu'il peut pas s'en servir, et que le chevalier unique qui peut le faire. Par contre, la frappe spirituelle, il peut. Même Canopus, il peut frappe spirituelle. Tu sais pas pourquoi, hein, mais... T'inquiète, il peut le faire. Et les titres, pour le moment, je suis bien. Après, il y a des titres que je peux pas... Comment dire, il y a des titres que je peux pas acheter. Hein. Ah, on savait. Hein. Non, je peux virer l'autre sauvegarde, là. Il me stresse. Voilà. Allez, dernière bataille. On est parti. Archéopole de Rhyme. Gagner avec un malicien sorcière, effectuer une action qui inflige un effet néfaste. Bah, j'ai mon mage. On garde la team là. Let's go. Archéopode de Rhyme. Le rime. Le rimé. Tu ferais mieux de te rendre, rebelle. À moins que tu préfères mourir. Oh, y'a un dragon! Essayez donc de me tuer si vous en êtes capable. Mais sachez que nous n'abandonnerons jamais notre combat. Pauvre folle, tu es là! Elle, tu peux la récupérer. Si on la soigne assez vite, on peut la récupérer, je crois. Qui va là? Cette femme, elle n'appartient pas à la résistance. S'agirait-il d'un autre groupe? Peu importe, il faut la sauver. Attaque! Faut qu'elle vienne vers nous pour que je puisse la soigner vite. Et elle se barre attaquer. Bon ouf. Mais là, je peux attaquer quand même? Oui. Blavier. Voilà pourquoi ça va être chaud. Trop loin. Ah, c'est bloqué le chemin. J'ai perdu un quart de sa vie. Phalange de Léonard qui s'active, ça c'est bien. Oh, mon héros qui a un peu la ramasse, là. Oui, t'as raison, viens taper Léonard. T'as raison. Je crois qu'il a pas encore compris. Ah, c'est le dragon qui va lui faire mal. Hein. Thank you.
On déco la mana, on essaie d'avancer le plus possible. Elle, elle va pas avancer, c'était sûr. Faut pas qu'on se laisse ralentir par les gens là. Faut qu'on les déglingue. À la limite, j'essaie de faire le plus avancer, avancer le Canopus le plus possible. Ah, en vrai, attends, je peux tenter une paralysie de là ? Non. T'avances, toi. Tout le monde avance, là. C'est quoi, ça, comme classe qu'il a ? Voleur ? Je regarde sa classe après. D'abord lui il se fait dingue. Ah c'est un dompteur. Je peux partager cette mission avec son modèle. Putain je pourrais le... Je pourrais le recruter en fait. Que je vais virer la compétence chez tout le monde. Bah je te recruterai pas, non, je te tue. Il a dit. Parce qu'en plus ça a l'air d'être vachement fort au cac hein. Ah, c'est vrai que tu peux les taper ça mais... Ah mais trois plombs va taper un arbuste. Avec Canopus on récupère ça. Donc si tu peux faire ça fait hommage. Voilà. Un petit 240 dans la gueule du mage. Ah bien sûr que ça se soigne en face. A tout détruit, chais. C'est bien, là, ma team, elle se fait soigner. Pas de problème vis-à-vis de ça. Juste que j'arrive à avancer suffisamment, quoi. Elle est midlife. Alors attends, j'ai fait mon objectif. Ouais. Ça veut dire que maintenant, on peut déglinguer tranquille. Hop. Merde. Elle est là que tir surpuissant. Je sais pas si j'ai encore quelqu'un qui puisse... tame les gens. Je crois pas. Hein. Ok, ça s'attaque à mes healers. LOL. Ah,
Et c'est full soin. Léonard, c'est bien, mais non, tu fais quoi? C'est moi qui va heal. Ah, parfait. Bon, je vais pas la recruter. Parce qu'elle, en fait, c'est une chevalière unique. Et elle est plus forte que le mien, je crois. Ah, elle est beaucoup plus forte. Elle est terriblement plus forte. LOL. Donc. Parce qu'attends. Peut-être Voltari, il l'a encore. Non, Voltari, il l'a pas. Hein. Voltari, il l'a pas. Qui a le skill? Est-ce que je l'ai gardé chez quelqu'un? Ouais. Lui, il peut le faire. Ok. De marteau dans la tronche. Je vais voir si je peux essayer de le recruter, le dompteur. Mais arrête de soigner ton pote, c'est infernal. Laisse-moi le tuer. J'ai dit, tu meurs. Bon, mais... de chance. Elle va se soigner, je pense. Ouais. Le dragon. Donc. Dragon, il a un être ultra balèze en vrai. Hein. Mais bon. Est-ce que c'est ça qui va nous empêcher le déglingue? Bien sûr que non! La chance plus 6, c'est pas mal. Ténèbres ondulantes, privez mon ennemi de ses sens et paralysez ses mouvements! Onde paralysante! Raté. Yes. Super tirade pour rien! Attends, lui, je lui fais combien? Je lui fais du 49. Parfait. Bon, moins parfait. Et c'est bon. C'est vrai qu'il soit à moins un dixième de CPV, mais... C'est chaud pour le faire tomber jusque-là. Encore derrière, il me refait ça. %. On va continuer à le taper encore. Juste pas qu'il meure. Ah yes. Attends, mais comment je fais pour sortir de là? Mais non. Mais non. Non, et l'autre il tue mon dompteur. Ah, salopard. Tant pis. Moi qui rêvais d'avoir un dompteur. Y'a rien qui va. Elle récupère mon loot! Mais mon titre de dompteur, on le voit!
dit, je veux un dompteur, moi. Ok, c'est parti. Va falloir déglinguer. Ménage, t'inquiète. Ah, il y a le dragonnet qui se pointe. Je vais essayer de le tuer. Garde d'agilité, ça. Je vais essayer de le tuer, le dragonnet. Le dragonnet. Et le looter avant de tuer Boris. Excusez-moi, vous avez quelque chose qui m'appartient. Bon loot. Alors vous allez me faire plaisir de me le rendre. Bon mais... Si c'est moi qui fais la loi, c'est clair. Alors faites pas chier. C'est un dragon de terre, hein. On va lui faire ça, débat. Non mais ça risque en sauvant. Ah. Boris, join the battle. Boris, pardon. C'est pas Boris, c'est Boris. Heureusement que c'est pas les dragons de Tactics Advance, hein. Parce que les dragons de Tactics Advance, ils ont une résistance physique de bâtard. La fois que tu tombes sur eux, tu pètes un câble. Je peux te sortir de là? Oui. Je compare les dragons de F3. Meilleur emblème, ouais. Cette feuille emblème aussi, c'était pas mal. Voilà, j'ai récupéré mon titre de dompteur. Parfait. Je pense qu'il va falloir accepter la mort, toi, là-bas. Oh! Voilà. Beaucoup de lâches dans la tronche. Moins de sang. Ah quoi que non, attends, on bouge pas. Et c'est lui qui a bougé. Grave. Aïe. Les dragons des. Ça peut avoir une attaque à distance là. On va aller choper l'archer là-bas. À moins que le caillou suffise. Berserk! Oh, ça marche alors? Permet d'infliger des dégâts aux unités sur les 5 cas situées devant, sur les côtés et diagonales. Ouais, donc j'ai juste ça en fait. Bah non, ça marche pas. Je sais pas comment ça marche, Berserk. Ok, c'est pas la fin du tour. Dommage. J'aurais bien aimé, mais apparemment non. Faut que je tue l'archer d'abord. L'archer et le dragon.
Ça proc la tenaille là si je fais ça. D'accord. Ok, j'ai rien dit, j'ai rien fait, t'inquiète. Il m'a envoyé un rocher qui est 20 fois plus gros à la gueule. Moi je suis là, lui a envoyé mon vieux caillou. Et tu fais, non. Allez, un de moins. Non, il soigne le dragon, vraiment? Ok. Il a vraiment soigné le dragon, là. Ils sont pas en critique. Il n'ira pas à le tuer. Et ça, par contre, c'est parfait. Ça, t'es cantonaille. Allez, respecte-toi, frérot. Pam, palapam. Titre de dragon des terres. D'accord. Ça veut dire que si j'ai un dragon, je peux le transformer en dragon des terres? Bon, c'est pas super ouf, mais c'est pas mal. Ah yes. On n'a plus rien à foutre, mais des coups de crosse maintenant. Ça veut dire que le dragon peut te fumer? Mais encore. Sistina. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelait, Sistina. Bah là on est coincé bébou. T'inquiète, on va te décoincer. Orlan ! Mais si ça arrive en sauvant, c'est pas mal. Allez Léonard, un petit coup dans le cul. Parfait. Non, je ne devais pas mourir ici. Si seulement j'avais pu la tuer. Et ben non. Titre le chevalier. Alors, ok, les compétences, ça a pas beaucoup monté là. Donc c'était un combat qui était pas pas de mon niveau. Merci. Sans votre intervention, il m'aurait tué. Je suis Sistina. Elle a pas donné son nom. Sistina, du front de la libération de la Valeria. J'étais venu en reconnaissance en prévision d'une attaque visant à voler leurs provisions, mais les Galgastans m'ont repéré. Le front de libération, c'est qu'une bande d'extrémistes. Il faut s'en méfier. Dit le mec qui veut tuer tout ce qui bouge. Comment ça, les extrémistes? Ne font-ils pas exactement la même chose que nous? Elle fait partie d'un groupe de traditionnalistes Bakram, dévoué à l'ancien roi d'Orgalua. J'en ai entendu parler. Il faut croire que tous les Bakram ne soutiennent pas leur régime actuel. De prime abord,
Cela peut paraître une bonne chose, mais ces extrémistes ne reculent devant rien pour atteindre leur objectif. Leurs actes de sabotage font souvent des victimes parmi les civils innocents. Pour le Front de Libération, la fin justifie les moyens. Vous vous trompez, ce sont des mensonges propagés par Brantin et son régime. Brantin ou Brantin ? Tout ce que nous voulons, c'est revenir à l'époque où nous vivions tous égaux, indépendamment de nos origines et de nos croyances. Tous égaux ? La bonne blague ! Comment peux-tu dire une chose pareille ? Les Bakram étaient peut-être égaux entre eux, mais nous, on valait pas mieux que la vermine. Je vois ! Mais dites-moi, pourquoi vous battez-vous alors ? Pour une paix véritable. Nous nous battons pour bâtir un monde sans guerre. Dans ce cas, je vous propose de coopérer. Nous partageons clairement une cause commune. Nous battre aux côtés des Bakram ? Tu rêves. Pour nous, un monde sans guerre, c'est un monde dans lequel les Wallisters pourront vivre dignement. On n'a aucune intention de cohabiter avec toi et tiens, va aux ogres avec ta cause commune. T'as survie, Vice. Inutile de discuter davantage, cela ne nous mènera nulle part. Tu es libre de t'en aller, Sistina, mais tu dois partir immédiatement. Ce sont nos terres et notre combat. Les Bakram ne sont pas les bienvenus. Comme vous voudrez, mais je n'abandonnerai pas. Mes camarades et moi ferons tout pour créer un monde juste. Un jour, vous comprendrez vous aussi. Vous verrez que pour obtenir une paix durable, il est nécessaire de tirer un trait sur ses intérêts personnels. Allez, va-t'en, et surtout, ne t'avise pas de revenir. Semblait qu'on la recrutait, elle. Peut-être que c'est moi qui est bugué. Donc on a Dompteur. Familière des bêtes et des dragons, c'est une unité capable de dresser ses créatures et d'exploiter tout leur potentiel. Toute l'étendue de leur puissance. Dompteur Berserker. J'aimerais avoir un Dompteur. Mais je sais pas qui je dégage pour passer Dompteur. Parce qu'on a deux healers, deux archers. En vrai, chevalier unique, hein. Chevalier unique, il est pas super utile. Hein. Je pense que c'est lui qui change. Hein. Par contre, t'es pas non plus obligé de te battre avec... taper à distance. Tu peux taper au cac, hein, pas de problème. Et taper avec quoi, l'autre avec une hache? Ah mais ça veut dire que je peux plus jouer à la lance. Ah j'ai ça. Ça peut être pas mal. Domptage de bête, domptage de dragon. Lancer d'objets. Ah il a les sarbacanes. C'est fort les sarbacanes. J'ai en acheté une. Il y a bien une situation où tu la recrutes. Oui, mais c'est après ça, non? Je crois que c'est après. Sarbacane. Ouais, c'est que pour les dompteurs, d'accord. Ça, c'est quoi? Bonus de dégâts contre les reptiles. Et dégâts perçants. On va prendre ça pour voir. Par contre, du coup, la sarbacane, c'est une arme de cac? Enfin, c'est une arme de distance? Enfin, mi-distance? Ça veut dire que je peux lui mettre autre chose dans la main. Je mettrais bien la hache dans la main ou le maillet. La hache, ça peut être pas mal, je pense. Hein. Hache et sarbacane. Ouais, le chevalier unique, mais chevalier unique, si on recrute Sistina, j'en aurai une de chevalier unique. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça sert à rien de trop prendre la tête maintenant avec un chevalier unique, alors que je peux en avoir un plus tard, quoi. Appel tempête.
Dégrade les conditions météorologiques sur champ de bataille. D'accord. Si tempête, c'est l'inverse. Pierre de BD sur lui. Full guerrier, sinon t'es pas un streamer. Ah, c'est bon, j'en ai déjà deux là. J'ai déjà deux guerriers. Il y a elle en prêtresse et Donalto. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'ai pas compris. En prêtre, j'ai Katuya et Donalto. J'ai Saya, mais Saya, je m'en sers jamais. En archer, j'ai Canopus. Bah, Canopus qui est mi-archer, mi... C'est un Vartan, quoi. Mi-archer, mi-cac. Avec Sarah en plus. J'ai pas besoin de plus, je pense. Par contre, mage, j'aimerais bien passer en mage noir. Hein. J'aimerais bien le passer en mage noir, hein, mais... Le problème, c'est qu'il il est affilié à l'air. Il est affilié à l'air. Je sais pas si ça booste ses attaques en vrai. Parce que sinon, je le passe en full mage noir. Tu vas plus de ça. Mais bon. Je pense que là, on est pas mal. On tente de faire... Ouais, c'est déjà 25. On va s'arrêter là, je pense. On save. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. On fera le château jeudi. C'était le jeu.